3. Ya tatu. Hallelujah. Il obtient la foi pour se sauver lui-même malgré ce que font les autres. Un humble, un élu, quand il vient à Dieu, la première chose que Dieu lui donne avant le ministère, avant les dons, avant l'argent, avant la femme, avant l'homme, avant les mariages, avant les maisons, Dieu lui remet la foi. La foi pour faire quoi? Pour se sauver lui-même. Alléluia. Imani kwa kujiokoa yeye mwenyewe. Donc, mana yake ukiamini, siti kwa unapata bahati mbaya, Mungu anakupa vingine na hayakupa imani. Que tu tombes dans la malchance, que Dieu t'accorde d'autres choses en dehors de la foi. Umeangukia mapua. Là tu tombes sur tes nez. Unafika tu hivi, tu arrives seulement comme ça. Bana kuima imani, on te prive la foi. Bana kupa karama, on te donne les dons. Unaanza kuwa na tabiri, tu commences à prophétiser. Na hauna imani, sans la foi. Unafika tu hivi, tu arrives seulement comme ça. Bana kupa ministère, on te donne le ministère. Yenye haina imani, qui n'a pas la foi. Danger, accident. C'est un danger. Unafika tu hivi, tu arrives dans l'église. Bana kupa mafranga, Dieu te donne l'argent. Na unaanza sema nilibarikiwa, et tu commences à dire je t'ai béni. Na mengine bana intimida kama inasema hautabarikiwa juu hauko kwetu. Et les autres sentiments, tu seras pas béni parce que tu n'es pas chez nous. Est-ce que kwenu wanapanaka imani? Est-ce que chez nous on vous donne la foi? Mwenye Mungu anapenda anampaka imani ndio cha kwanza. Celui dont Dieu aime lui donne d'abord la foi. Alléluia. C'est la première chose. C'est vrai hein. Bya makuta, bya banamuke, bya banaume, bya mafranga, ni après. L'argent, les femmes, les hommes, c'est après. Amen, amen. Il te donne la foi. Et tu anakupa imani. Pourquoi? Kwa nini? Je vais vous donner ça. Nitaiwapa. Il y a deux raisons. Kunazo sababu mbili. Il vous donne la foi. Anakupa imani. Parce que vous êtes humble. Sababu wewe uko ngano. Pourquoi il vous donne la foi? Kwa nini anakupa imani? C'est pour deux raisons. Ni kwa sababu. Un. Moja. C'est pour que quand ça sera difficile, ni wakati itakapokuwa vigumu, que tu sois capable de te sauver toi-même quand tout le monde va chuter. Uwe na uwezekano wa kujiokoa mwenyewe wakati wengine wote. Parce que tu es humble. Parce que tu es humble. Kwa sababu wewe ni ngano. Deuxième raison. Sababu ya pili. C'est parce que la foi donne trois puissances. Ni kwa sababu imani inapana nguvu tatu. Lesquelles? Zawapi? Vaincre l'orgueil de la vie, kushinda kiburi cha uzima, la convoitise des yeux, tamaa ya macho, et la convoitise de la chair, na tamaa ya mwili. Ce sont les trois clés qui ouvrent la victoire du croyant. Nizo funguo tatu ziletazo ushindi wa mwamini. Sikia. Écoute, Mungu akikupenda, amen. Je t'aime. Anakupa imani. Te donne la foi. Ili wakati wa hata. Que dans les moments difficiles, que tu puisses te sauver toi-même. Là où les autres vont trébucher, et toi tu vas quitter seul. Et il te donne cette foi parce que la foi puissante. Il va t'aider à vaincre la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Chaque chute là où l'homme est passé, c'est provenu dans tes trois choses. Comme toi tu es le blé, Dieu te le donne. Maintenant nous allons demander, est-ce que tu sens dans toi quand tu vois les choses qui pouvaient t'attirer avec les yeux, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui te dit regarde de l'autre côté? Tu sens dans toi quelque chose qui te dit ne continue pas à regarder. Est-ce que dans toi il y a cette chose? Quand tu sens que le corps veut te diriger là où la parole ne veut pas, tu sens qu'il y a quelque chose qui frappe sur ton corps, descends, laisse ça. Ou tu fais juste semblant de te calmer à cause des hommes. Non, la convoitise de la chair, ce n'est pas seulement pour l'adultère.
Il y a les choses à boire, à manger, à s'habiller. Tout c'est la chair. Il ne faut pas seulement écouter quand on parle de la convoitise de la chair que c'est l'adultère. Quand tu découvres qu'il y a la sœur à côté de toi qui a porté un habit, qu'est-ce que tu sens dans toi? Quand tu passes à côté d'une femme qui est mal habillée, na unampiga macho limoe. Et tu fixes les yeux pour la unasikia karo nakwambia uendelee muona. Est-ce que tu sens que le cœur te dit de continuer à fixer les yeux? Ou tu sens que le cœur te dit, angalia pembeni, détourne-toi, usiendelee kujichafula macho. Ne continue pas à te salir les yeux. Wakati unafika mu circonstances yenye bana kutrouble. Quand tu arrives dans une circonstance où tu es troublé. Na mwenye na kutrouble ni mudogo kuweye. Et celui qui te trouble, il est moins que toi. Na una nguvu kumushinda. Tu as la puissance plus que lui. Wala unamshinda franga. Soit tu le dépasses. Wala unamshinda masomo. Wana mshinda famille, tu le dépasses en famille. Wana mshinda miaka, tu le dépasses en âge. Wana mshinda nguvu na mabiceps, ou tu le dépasses en puissance. Na unavumilia kukua mwenye na unamshinda. Et tu trouves qu'il y a quelque chose dont tu dépasses. Unasikia kama wewe nini napanda? Qu'est-ce que tu sens dans toi qui monte? Kubia kumfanyizia. Dont tu peux réagir. Na nini unasikia kinakwambia shuka kwanza. Qu'est-ce que tu sens qui te dit descends d'abord? Voilà. Ou bien, wakati ko pembeni ya benye unashinda. Quand tu es à côté de ceux dont tu dépasses, unajisikia kai. Tu descends comment? Wewe ulisoma, una benye habakusoma. Tu es avec ceux qui n'ont pas étudié. Unajisikia kai. Comment est-ce que tu descends? Uko na franga? Tu as l'argent? Uko na benye habana franga. Tu es avec les pauvres. Unasikia karo yako inakwambia wewe ni nani? Comment est-ce que tu sens que ton cœur te dit toi tu es qui? Unapata kabahati? Tu as trouvé une petite chance? Unapata kanyumba kamzuri? Tu as trouvé une belle maison? Bavoisin yako habana nyumba kufanana yako. Tes voisins n'ont pas une maison semblable à la tienne. Sako unaingia mwako. Quand tu entres chez toi. Unaona za voisins zifanane yako. Tu regardes les maisons des voisins qui ressemblent à la tienne. Comment est-ce que tu descends? Ulipewa neema, tu as reçu la grâce. Mwili yako ikaonekana kwa katofauti na wengine. Ton corps a une petite différence par rapport à ceux des autres. Kini Mungu ni mshamuka. Mais Dieu il est puissant. Unaweza pewa bunene hauna wekunda. On peut te donner d'être grasse mais na tu n'as pas bufupi, hauna wekunda. Tu es court mais tu n'es pas clair. Na pewa wekunda, hauko munene. On te donne la teinture claire mais tu n'es pas gros. Unakuwa munene, hauna burefu. Tu es gras mais tu n'es pas élancé. Unakuwa murefu, hauna masomo. Tu es élancé mais tu n'as pas étudié. Kuna kenye kila mtu Mungu alienda iko na muhima. Il y a ce dont Dieu a privé à chacun de nous. Oui, oui. Ili kusionekane mwenye nakamilika mu byote. Pourquoi ne trouve pas quelqu'un qui est parfait dans tout? On te donne tout mais tu n'as pas l'argent. Quand tu vas arriver à ceux qui ont l'argent, toi aussi tu vas te taire. On t'a donné l'argent mais tu n'as pas les français. Quand tu arrives là où on parle français, tu te tais. Oui, oui. Unapewa français na masomo mais hauna jamaa. On t'a donné le français et la famille mais tu n'as pas de famille. Bakwenu ni 5 personnes. Les gens de votre famille ne sont qu'à 5 personnes. Quand les autres vont commencer à dire, la tante est en Amérique, l'oncle est à Kinshasa, tel est à... Tu vas te taire, tu vas dire... Hauna bayomba, hauna bashangazi, na benye uko nabo, bako ku village, na habana franga. Tu n'as pas de tante, tu n'as pas de zone. Oui, tu n'as mkubwa mujama yetu. Et c'est toi qui es le grand dans la famille. Mais bengine kikanyanga ku WhatsApp abseme, oncle, il te met $2000 abseme. Wende ku Western Union vous retirer. Mais les autres quand ils touchent leur téléphone, ils disent oncle, tu peux m'envoyer $2000, il t'envoie Western Union. Mungu alienda iko na nyanganya kila mtu vitu fulani. Dieu a parti en train de priver à chacun quelque chose. Ili wakati kiburi yako itapanda. Pour que quand ton orgueil va monter. Kukua kwenye na utashuka. Tu es quelque part où tu dois descendre. Alléluia. Amen. Shusha kiburi. Shusha kiburi. Fais descendre l'orgueil. Kuko kwenye unaweza fika na unanyamaza. Amen. Il y a quelque part où tu peux arriver aussi toi tu te tais. Alléluia. Amen. 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 Alors, wakati unaamini? Mais quand tu crois? Lorsque tu crois? Unapoamini? Que tu es le blé. Na uwe uko ngano. Dieu te remet la clé. Mungu anakukabidhi funguo. La clé qu'on appelle la foi. Funguo itwayo imani. Pourquoi? Kwa nini? C'est pour que tu arrives à vaincre. Ni kwamba ufikie kushinda. Parce que la Bible dit, maana Biblia inasema, la foi, imani, c'est notre victoire. Ndio ushindi wetu. Donc sans la foi, maana yake bila imani, il est impossible d'être agréable à Dieu. Haiwezekani kumpendeza Mungu. Maintenant comme tu es le blé,
Et il faut que tu sois agréable à Dieu. Il te remet la foi. Amen. 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 Oh, Nico na ministère. Moi j'ai le ministère. Mais comment on gagne ta maille à match? Comment tu continues à voir la convoitise des yeux? Oh, mina tabiria kabina timia. Moi je prophétise et ça s'accomplit. Pourquoi que tabiri konenda jita pa jua kibuvi? Pourquoi quand tu as déjà prophétisé, tu peux encore aller te vanter à cause de l'orgueil? Amen, amen. La paix wa karama mais uko na kibuvi. On te donne les dons mais tu as l'orgueil. Oh, Nico na ministère ya nguvu. Moi j'ai un grand ministère. Mais mwanamuke anapokupita unasikia kanini? Quand une femme passe devant toi, qu'est-ce que tu sens? Sinon, sinon, ceux qui sont entrés d'engrosser les femmes dans les églises ici dehors, comment est-ce qu'ils ont commencé? On leur avait donné tout et on les a privé la foi. Alléluia! Amen! 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 Amen. Dieu! Oui! Kilisha, je sens que l'orgueil est déjà descendu dans moi. Je sens que les choses de la chair ne m'attirent plus. Je peux voir. Et je peux apprécier. Mais convoiter jusqu'à dire si quelqu'un peut me le donner et le chercher par force. Bon. Et je ne le fais pas pour me forcer. Mais je sens seulement dans moi. Cette grâce de Golgotha qui continue à me donner la puissance. Et je ne le fais pas à cause des hommes. Je sens seulement dans moi la divinité qui me pousse seulement de ne pas regarder. Et quand je regarde, je ne convoite pas. Et quand je suis attiré, je ne cherche pas ces choses. Ah. Amen. Voilà. Mais là-bas, ok. Mais là, si vieux. Mais dans les cas contraires, va au genou. Amen. Tu parles trop. L'état mandico. Amène-nous les écritures. L'état ujumbe. Amène-nous les messages. Soma vasiantika. Allez, tu peux écrire, on va lire. Alléluia. Pole, pole. Lentement. Et mon coup. Seigneur. Je vais. L'état ujumbe. Amène les messages. Oh! La Bible dit que. Biblia sema quoi? Nous pouvons vaincre le monde. Ya kwamba tuweza shinda dunia. Et comment le ferons-nous? Sasa tutaifikia je? Ce n'est pas en suivant les habitudes du monde. Si kwa kufuata tabia za dunia. Mais la Bible dit que. Bali Biblia yasema kwamba. La foi. Imani. C'est la victoire qui triomphe du monde. Ni ushindi unaoshinda dunia. Brochure la foi paragraphe 19. Ujumbe unaoitwa imani mtaji wake wa 19. On avance. Twende. Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Havitoki kwa baba. Mais vient du monde. Jean 2, 15. Vous avez les messages. Et vous avez la Bible. Na muna Biblia. Amen. Amina. Amen. Amina. Alors. Sasa. La foi triomphe de la mort. Imani na shinda mauti. La foi c'est la victoire sur la mort. Imani ni ushindi juu ya mauti. La foi c'est la victoire sur le péché. Imani ni ushindi zidi ya zambi. La foi c'est la victoire sur la maladie. Imani ni ushindi juu ya magonjwa. La foi c'est la victoire sur l'inquiétude. Imani ni ushindi juu ya huzuni. Mafadhaiko. La foi c'est la victoire sur les frustrations. Na imani ni ushindi juu ya vivunja moyo. La foi c'est la victoire sur le monde. Imani ni ushindi juu ya dunia. Brochure. La foi, c'est notre victoire. Et paragraphe 47. Oh, non, frère, en tout cas. Tu vois, frère, vraiment. Manake, moi, il est nishinde. Je ne l'ai pas maîtrisé. Oui. C'est Meniliona.
J'ai vu Nkakoko, toi. J'ai été attiré. Le téléphone. Il croyait bien. Hein? J'ai pris le téléphone. C'était un bon téléphone. Téléphone. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Où l'étiez wapi? Où est-ce que tu l'as mis? Nishai. Je l'ai déjà vendu. Wewe ulipenda ukaiba ukabeba na ukauzisha na ukakula franga zamiri haikusema. Toi tu as vu, tu as aimé, tu as pris, tu as vendu, tu as mangé l'argent, mais la conscience ne t'a pas parlé. Ulinyanganywa. Ula haukupewa. Amen. Amen. Où on t'a repris la conscience? Alors. Ça. Cette citation, c'est Ziruka. Cette citation, je ne peux pas la faire. Si vous faites comment? Frère, viens régler ici. Okay. C'est quoi le péché? Zambi, ninini. Il n'y a que deux éléments qui contrôlent l'être humain. Kuna mambo mawili yachunguzayo mwanadamu. C'est soit le doute, au ni mashaka, soit la foi, au imani. Mutu. L'homme n'a pas comme huit ou dans lui, il y a deux ni imani, ou ni mashaka. Soit c'est la foi ou le doute. L'un ou l'autre. Manja, ou vous êtes possédé par celui qui domine votre vie. Wewe ni mtumwa wa yule anaye tawala maisha yako. C'est de la quantité de foi que vous avez que dépendra la hauteur que vous pourrez atteindre. Ni kiasi ya imani unayo ambayo kilindi yako. Itakufikisha kukilindi chenye ungefikia yako. Sikia. Kupanda yako juu. Ndio. La fête de monter. Na kupanda mukikristo juu. Fête de monter en christianisme en haut. Itafuatana. Ça dépendra. Na uwingi na kiasi ya imani yenye uko nayo. La quantité de la foi dont tu as. Ka imani kadogo. Une petite foi. Unuka mukristo mcheze ya chini. Tu deviens juste un chrétien qui joue là en bas. Imani nzito. Avec une force. Na njo kupanda ya zaidi. Et c'est là où tu montes encore. Ukisikia seme mutu iko juu sana kiroho. Si vous écoutez que quelqu'un est en haut spirituellement. Kuna matone na mangungulu za imani. C'est-à-dire qu'il a des vie et de vie de la foi. Kupa korobo ya imani. Si on te donne une petite chose mwengine de la foi. Bassin ya imani. L'autre on lui donne le bassin hamwezi de la foi. Niveau moya ya kiroho. Vous ne pouvez pas être au même niveau spirituel. Niveau yako na hauteur ya kiroho. Ton hauteur est le niveau de ton niveau spirituel. Na quantité ya imani Mungu alikupa. Dépendront de la quantité de la foi que Dieu t'a donné. Na hivi tunaikala hapa hatuna. Mesir sawasa. Tel que nous sommes tous assis ici, nous n'avons pas la même mesure. Kuko benyebako na muna kaita kai. Kale kamufuniko ya chupa. Kasimbi. Il y a ceux qui ont juste les bouchons. Kasimbi kaimani. Les bouchons de la foi. Kuko benyebako na ka demi litre. Les autres ont un demi litre. Kuko benyebako na bassin. Les autres ont un bassin. Kuna bengine benyebako na bidon ya 20 litres. Il y a d'autres ceux qui ont les bidons de 20 litres. Kuna bengine bako na bitanke sabile benye munaona ka yule ya manyumba bya noir. Il y a d'autres qui ont des tanks tels que ceux dont vous voyez au-dessus des maisons. Kuna bengine bako na imani ya pata hii salle. Il y a d'autres qui ont la foi comme cette salle. Munapanda. Vous montez. Kwenye unakwama. Là où tu es bloqué. Mwenzako napanda. L'autre monte. Mazambi zingani ya kugaraguza chini. Les péchés qui continuent à te. Mwingine na zidemonte. L'autre monte de dessus. Munapanda mukikizo mdao kia kama mbese frère. Ile binashinda imani yangu. Et vous montez dans la chrétienté, dans la foi, vous dites frère, ça dépasse ma foi. Unaona mwenzako napanda tu. Tu vois l'autre monte. C'est la quantité. Ni kiwango cha imani. Sime. Mie. Mutu anipige kofi ni nyamaze. Pour qu'on me frappe que je me taise. Non. Ndamujibia. Je vais le répondre. D'après tout après. Je viendrai me répondre après. Mais muzibula. Léa a voir frappé. Oule naiko na litre yak. L'autre aussi a une quantité de la foi. Alléluia. Amen. Ukuwapi. Où es-tu? Macho yaliokoka. Est-ce que tes yeux sont sauvés? Dio. Mwili ni je. La chair, c'est comment? Kujisikia, unajisikia kama uko mtoto wa nani? Comment est-ce que tu te sens? Tu te sens tu es l'enfant de qui? Mien. Moi. Mien. Moi. Non. Mien. Moi. Kuko batu abwezi maliza 20 minutes na bajisele. Il y a les gens qui ne peuvent pas faire 20 minutes sans parler de eux-mêmes. Non.